Nooman, le seul youtubeur qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi. Ta-da-ta. Salut les c'est nous, maintenant on se retrouve pour la suite de notre aventure avec viens tester le cheat, je dis cheat donc on me fait engueuler, le cheat avec Tonton. On va pas vous représenter l'équipe, hein, de toute façon vous avez vu un peu comment ça s'était passé. Pour l'instant ça se passe plutôt pas mal, on a fait deux petits matchs tranquilles, 4 buts marqués, 0 encaissé. On va voir là, cette fois-ci on va jouer à l'extérieur, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. En plus les mecs qui ont ce logo là, généralement c'est des coréas, je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai beaucoup de mal avec les mecs qui ont ce logo là, ça n'a rien à voir avec le niveau du joueur normalement. Mais j'avoue que c'est toujours très compliqué, donc M14, on va tomber sur du Tevez, alors ce qui me fait chier c'est qu'il n'y a pas de tots ou de boost, donc il n'y aura pas de rééquilibrage. On a du Tevez devant qui est un monstre, on a du... à voir, je ne sais plus quoi penser de ce jeu, de toute façon je ne sais plus quoi penser. J'espère que vous allez bien, j'espère que les examens se sont bien passés. Moi ça va tranquillement, j'ai un petit souci internet. C'est vrai que avec Orange, des fois on dit merci qui. Là c'était pas Jackie et Michel, c'était merci Orange. Ma connexion elle avait baissé de moitié, c'est enfoiré là, donc du coup j'étais un peu gueulé. Et du coup maintenant j'ai récupéré un débit supérieur à celui que j'avais avant. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. D'accord, celui que je dis ça pour que ça bloque, j'espère que ça va pas laguer quand même. Allez Doumbia. L'homme aux deux chaussures différentes, à chaque fois c'est très flashy, fin de frappe de Doumbia. On va revenir, on va attendre que Ibarbo, là-bas, on l'a vu là-bas tranquillement. On va se faire un petit match easy, on va pas se prendre la tête, hein, surtout avec FIFA maintenant. Je me suis assez pris la tête sur ce jeu, on l'a vu qu'il est pas hors jeu. Mets ta tête, mets ton pied, mais fais ce que tu veux, y a pas faute. Hop là, ouais, ça chauffe directement pour mon adversaire qui a eu chaud assez roupignol. Attention, avec Salvio, je suis en train de chercher justement qui était en AD. Oula, ça y est, on a affaire à un skiller, mais moi j'ai affaire à une gazelle en défense, c'est-à-dire Armero. Ça s'appelle du shit, mon ami, hein. Enfin, j'arrête pas de dire shit, non, en plus je fume pas du tout ça. Mais bon, c'est vrai que j'ai tendance à, au lieu de dire cheat, je dis shit. Bon, allez, Salvio, qui se fait contrer, récupère Kellini, ça va être trop court. Ouais, on aurait pu marquer rapidement. Vous m'excuserez aussi si vous entendez beaucoup le son des sticks de ma manette. Hop là, reviens, vite, il va repiquer dans l'axe, voilà, c'est bien défendu. On entend beaucoup les sticks de ma manette, j'ai remarqué ça sur ma dernière, hop là, petit pansement de jambe, ouverture, tranquille, pour Doumbia, vas-y, passe, y a pas faute. Il s'est pas fait tirer le maillot par le gardien. Ouais, comme dirait l'autre, un doute ma bite. Javier Pastore, qui s'est qualifié brillamment. Arc-en-ciel, joli ça. Brillamment pour la finale de la Copa América. Allez, reviens Guarín, justement, qui n'est pas qualifié lui pour la finale. Parce qu'il est, quoi, il est colombien, si je dis pas de conneries. Allez, attention, on va faire une petite touche tranquille. Voilà, on l'a vu d'abord. Et Doumbia, si tu contrôles de la godasse, l'arrière de la godasse, que tu fasses l'intérieur du pied, je veux bien. Mais l'intérieur talonnade, c'est un peu plus compliqué. Il va repiquer dans l'axe. Tevez qui se fait bâcher. Hein, on appelle c'est un cake au basket, l'ouverture magnifique, LBY bien dégueulasse. Oup là, il avait pris le devant. Qu'est-ce qu'il fait son gardien? Il est chaud son gardien. Oh, on avait voulu frapper directement, tant pis, de la race. Au-dessus. Armero, je connais même pas son pied, je peux même pas vous dire s'il est gaucher ou droitier, j'en sais rien. Donc j'ai envoyé une grosse sacoche, hein, une fois sur 100, ça part en pleine lunette. Alors cette fois-ci, ça faisait partie des 99 fois sur 100 où ça fait n'importe quoi. Il lance son Tevez, oui, il s'appelle Tevez. Kellini, sur son cul, voilà, pousse-le, voilà, tranquille, Kellini. Kellini, il est fort en vrai, donc on va pas dire que c'est du cheat, mais il est quand même sacrément abusé. Écarton au maximum. Oula, j'aurais pas dû la faire directement. Ah là. D'accord, ok, donc c'était pas du tout là que je voulais la mettre. Si mon joueur pouvait se sélectionner, non, apparemment, hein, donc quand tu sélectionnes les joueurs en manuel sur IE, ça change absolument rien. L'ouverture, elle est pas mal. Allez, yes, Ibarbo, je vais pas l'appeler Vincent parce que je vais me faire encore. Victor Ibarbo. Gundam style. Voilà, c'est aussi la dédicace à Ronnie. Je sais, je fais la dédicace à Ronnie à chacune de mes vidéos, mais il trouve ça complètement dégueulasse quand je chante le Gundam style. Donc c'est une petite dédicace pour toi. Victor Ibarbo, c'est mon avis pour les grands et les petits, forcément. Haribo, placement de produit. Nous menons à zéro, j'allais dire c'est tout à fait normal, mais non, quand même pas, avec cette équipe, on sait jamais au final si c'est toi qui es fort ou si c'est l'équipe qui est abusée. Vu mon faible niveau de FIFA, je dirais plutôt que c'est quand même l'équipe qui est abusée. Pousse-toi de là. Mais vous savez que ma proportion à perdre les matchs que je mène à 0, elle est quand même assez faramineuse, et du coup je vais pas me la raconter trop vite non plus. Allez, par. Il y a du mal quand même, hein, quand on récupère le ballon au niveau du MOC, enfin avec un de mes deux MC. Petit décalage comme ça là, ça fait 2-3 fois qu'il se fait avoir. Attention Tevez qui accélère, Tevez, oh la pâche, oup là. Ah non, c'était l'Avedi, pas du tout, le lécheur de Minou, le policier. Ce mec là n'empêche, il est peut-être pas tellement très fort dans chacun de ces matchs. Par contre, faut que j'arrête de faire des conneries comme ça.
Attention, dégage-moi ça. Voilà. Mais n'empêche, qu'est-ce que tu dois te marrer quand tu fais une soirée avec lui, à mon avis, tu dois voir tout. T'as tout ce que tu veux. Tu finis avec un âne dans ton pieu en train de boire du champagne. Tu te demandes pourquoi il est là, l'âne, mais bon, lui, il le sait en tout cas. Ezekiel l'avait dit. Attention. Ezekiel l'avait dit. Oui, non, je confonds à chaque fois avec Edinson Cavani. Non, lui, c'est bien. Ezekiel, attention, attention, on va pas se livrer. Attention, on va pas se livrer trop. Il revient, il revient. Andanovic, la main ferme. Le chat. Tu fais très bien le chat. Je sais. Marco Rojo. Oui, parce qu'on ne dit pas Jo, on ne dit pas Marco Rojo, on dit Marco Rojo. Voilà, c'est comme ça, c'est Rojo. Attention, attention au corner. Attention, le corner cheat. Oui, non, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ça arrive quand même. Ouais, hop là, hop. Ou qu'est-ce qu'il nous a fait? Lui, ça y est, c'est Kung Fu Style. Il nous a fait une espèce de reprise à la Wu Manchu. Andanovic, dégage-moi ça très très loin, parce qu'on a marqué le but. Et bizarrement, du coup, maintenant, c'est un siège de mon adversaire, comme on en a malheureusement l'habitude. Hop là, allez, tout de suite, il tire la manche, revient à la faute l'arbitre. Voilà, bien joué, arbitre, c'est bien ça. C'est quoi? C'est un Coréen? Le Coréen est fair play, il faut le savoir. Strootman, qui va la donner. Allez, viens ici, on va pas essayer de la perdre. On s'en fout, on a le temps, on mène à zéro. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je fais venir le gars, et la manette me l'envoie à Pétaouchnok. Oui, je sais, Pétaouchnok, c'est une expression qu'on n'utilise plus depuis 25 000 ans. On va la mettre dans les pieds, on va la mettre dans les pieds, on joue trop. Oh non, je voulais faire une feinte de frappe. On joue trop en Y, donc cette fois-ci j'y ai pensé, malheureusement. Bah voilà, dans les feintes de frappe, moi j'y arrive toujours pas, alors que c'est le béaba du geste technique. Tonton, il n'y arrive pas. En salle dit, très bon joueur. Ouah, ces ouvertures-là, à chaque fois, elles sont abusées. Ouais, elle va y aller, hein, tu vas voir qu'il va l'avoir. Voilà, tu peux pas défendre là-dessus. Voilà. Allez, Armero. Oh, joli ça, qu'est-ce qu'il est fort cet Armero, franchement, il est carrément abusé. Roulette, allez, roulette, voilà, petite roulette de Guarine, easy, easy, easy. Ouais, par contre, il faut faire une passe au bout d'un moment, j'avais appuyé, mais ça n'a pas été pris en compte. Il va revenir sur ses pieds, bien évidemment. Voilà, joli ça, joli Strootman. Allez, joli Strootman, il l'a vu, il est pas hors-jeu, il est pas hors-jeu Doumbia, il est pas hors-jeu Doumbia, il est pas hors-jeu Doumbia, mais petite Guarine, allez, la grosse frappe de Guarine. Bon, de Jou, son gardien qui est chaud. Et c'est une pause. La pause. L'adversaire est sûrement en train de changer de manette, je sais pas, en train de se caresser le chibre, je sais pas. On ne sait plus trop, on ne sait plus trop. Il y a 20 000 excuses pour faire des pauses. Moi, je n'en fais jamais, mes adversaires en font quasiment à chaque match. Je ne comprends pas pourquoi. Oups là, ça a failli être récupéré en tout cas. Dommage, dommage, dommage. On aurait pu se mettre à l'abri avec un deuxième but. Attention, attention, parce que du coup, il n'y a qu'un but d'avance. Oui, le petit LBY qui peut fonctionner, qui va fonctionner d'ailleurs. Non, oh super, babaté. On appelle ça the geste technique. Hein. Je suis bien content de l'avoir réalisé celui-là parce que ça piquait un peu les fesses. Sinon, oh, par contre, là, oui, ça risque d'être chaud. Chaud cacao, chaud cacao. C'est passé juste à côté. Plutôt, c'était chaud chocolat. Chaud cacao. Non, vous connaissez pas. Non, c'est plutôt en ce moment, c'est chaud ananas avec la petite musique de Dieudonné. Mets ta tête, Doumbia. Mets ta tête. Non, il met pas sa tête. Il recule. Il refuse le combat, Doumbia. Hein. Et lui, il s'en fout. Il met juste ses godasses pour faire un peu le genre. Il veut pas aller au physique. Il veut pas aller au physique. En même temps, il fait 1m10. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il prenne un ballon de la tête? Attention, attention. Voilà. Ça, j'aime pas ça. J'arrive pas à défendre quand les mecs ils jouent comme ça. J'arrive pas à défendre quand les mecs ils jouent comme ça. Le mec, c'est droite gauche, et forcément, apparemment, ça va être corrigé dans FIFA 16. Hein, d'après, je connais quelques YouTubeurs bien placés qui m'ont dit quand même que, au niveau de la défense, de toute façon, les vidéos sont disponibles sur leur chaîne. Ça va être quand même un petit peu plus rock'n'roll de passer. Hein. On aura plus ce genre d'action, à savoir des tout droits, fin de frappe, fin de frappe. Et moi ça va pas, je fais des droite gauche, moi ils mettent 16 heures à faire des droite gauche. Allez. Oh putain, si elle était passée celle-là, ça aurait été pas mal. Attention, Tevez, faut pas qu'il se lance, faut pas qu'il se lance. S'il est pas lancé, ça va, tant qu'il a pas pris de vitesse. Allez, il est pas hors-jeu, il est pas hors-jeu, reviens. Ah, de Jou, mais qu'est-ce qu'il est lent, vous avez vu, il a pas du tout accéléré. Hein. Ça y est, depuis que je mène à zéro, mes joueurs n'ont plus aucune stat qui est valable. Ibarbo, il avance plus. Doumbia, on sait pas ce qu'il fout sur le terrain. Voilà, il est pas hors-jeu, il est pas hors-jeu, repart. Ah dommage, j'ai été dans le contre-temps. Oh oui. Toi, t'as eu très très chaud. T'as eu très très chaud. C'est dommage qu'elle soit pas interceptée celle-là. Interceptionnée, comme dirait l'autre. Oh, attention, Pastore. Javier. L'Argentin. Javier Pastore qui trouve. Voilà, mais abattez, mon Dieu, abattez les enfants. Voilà, tu crois que j'allais dégager tout de suite? Non, non, tu m'as pris pour un poulpe ou quoi? Tiens, changement d'aile, magnifique. Armero, c'est la mi-temps, c'est la mi-temps. Mais écoutez, ça passe plutôt vite pour moi, en tout cas, j'espère que pour vous c'est agréable. On a eu quelques petites actions, on aurait pu mener un peu plus largement. Après, lui, il aurait pu également marquer un but. On va voir qu'au niveau des stats, oui, j'en ai. C'est quasiment kiff kiff bourrico. On a moins la balle, on essaie de construire. En même temps, on est à l'extérieur, c'est plus compliqué. On va dire que pour l'instant c'est correct. Allez, 1-0, on va voir un peu comment ça se passe en cette deuxième mi-temps avec Vietto qui va passer à Salvio, tout le monde termine en haut, c'est rigolo. Allez, dégage là-bas. Récupération, il faut que ça récupère directement. Superbe, scoop dans l'arrêt, superbe, magnifique. Ouais, si je peux sélectionner le joueur devant, ce serait pas mal. Ah, Tevez, il va me faire chier avec ses droites gauches, Allez, dégage-moi ça. Voilà, plus le ballon est loin, plus je suis rassuré. Oh, si tu lâches ton manette d'accélération, la grosse frappe, superbe.
Ouais, celle-là, elle partait plutôt pas mal, hein, les enfants, celle-là, elle partait plutôt pas mal. En bas, il n'y a personne, normalement. Allez, vite, 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 vite. Allez, Polo, récupère là. Non, bon, bah, alors vous voyez quand même que je trouve ça quand même bizarre que mes joueurs n'arrivent plus à faire deux passes de suite, alors que ça se passait plutôt pas mal depuis le tout début de la mi-temps. Allez, l'avait dit, normalement, ah, oh, ça va être récupéré. Non, pas du tout. Attention là-bas, Armero. Armero, il fait une faute. Oui, il fait une faute. Non, il fait pas de faute. Si, c'est quand même sifflé par l'arbitre. Est-ce que c'est moi qui fais faute? Oui, c'est moi qui fais faute. L'adversaire a droit à son petit coup franc. On va quand même rester là-haut. Attends, on va changer de joueur. Ah oui, d'accord. Il va le tirer à 2. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Non, il va le tirer à 3. Comme ils font, comme c'est quelquefois le cas. Donc, il y a eu 4 joueurs. C'est forcément un de ces joueurs qui a eu le ballon. Oups là, ouais, c'était contré. C'était contré. Un corner, ça sent quand même l'égalisation. On va se mentir, là pour l'instant, comme j'ai toujours, l'habitude de le dire, là je suis juste en train d'attendre qu'il égalise. Allez va, allez va, allez va, allez va, allez va. Oh, mais pourquoi tu t'arrêtes? Allez! Yes! Yes! J'allais dire pourquoi tu t'es arrêté. Le fameux effet medicine ball, quoi. T'as l'impression que le ballon il fait 40 kg au moment où le joueur le récupère. Et du coup, il a du mal à accélérer. Regardez. Pouf, voilà, je m'arrête. La frappe est contrée. Bon, ça retombe dans les pieds de Victor Barbeau qui nous gratifie d'un petit doublé. Et donc, pour l'instant, on est en passe de se qualifier. Mais bon, avec FIFA, moi, je préfère attendre la fin du match avant de me la raconter. Voilà. Double contrôle. Oh, voilà, il y a peut-être quelque chose. Non, il y a absolument rien. Bon, bah écoutez, tout va bien. Hein. Maintenant, si on peut jouer comme ça au foot, on va jouer comme ça. Allez, il est hors jeu, il est hors jeu, c'est parti, c'est Idou, non? Marcosso. Caballero. Dommage, mets ta tête. Oh, mais mets ta tête, espèce de bougre d'imbécile là, c'est pas possible. S'il l'avait mise celle-là, ça aurait été pas mal. Est-ce qu'il va jouer en LBY? Non, il va jouer en ouverture sur le côté. Armero, la vitesse. Voilà, Armero, il nous fait un match d'anthologie pour le moment. Ah, c'est un petit corner quand même, c'est un petit corner pour mon adversaire. Attention, est-ce qu'il va tirer le corner cheaté? Toujours impossible à défendre, non, il repique dans l'axe, il essaye de la placer. Ça va aller devant, ça va aller derrière, il hésite. Tu avances ou tu recules, comment veux-tu que je te caresse les testicules? Voilà, la fin de frappe, il revient. Pff, ouais, voilà, au bout d'un moment, les droites gauche, c'est bien, mais... allez, non, c'était en bas qu'il fallait la mettre. Alors, je suis désolé, du coup, ça va jouer un peu en ouverture rapide, parce que j'ai l'impression que mon adversaire est bien haut. Donc, on va essayer d'en profiter, abatté qui n'en profite pas, justement. Ça va sortir, gardien, tranquillement. Voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. On va le mettre là-haut, voilà. Ah non, c'est pareil, ça devrait pouvoir être récupéré. On va le jouer rapidement parce que j'ai vu qu'il y avait un petit adversaire qui se présentait. Oh, non, pas comme ça. Dégage-moi ça. Voilà, allez, une deuxième fois, mets ta tête. Ok, non, toujours pas. Ok, on peut pas dégager. C'est génial. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un pénalty, les enfants. Il va y avoir un pénalty, je vous le dis. Allez, voilà, c'est parti. Allez, contre-attaque. Marcosso. On l'a vu là-bas. Oh, mais c'est pas possible. Marcosso, c'est pas non plus un meneur de jeu à la base. Et donc, forcément, c'est plus compliqué. On va écarter là-bas avec Doumbia. Allez, Seydou. Reviens ici. Hop là. Ah non, c'est vrai. Ah si, il y a quand même 4 étoiles de jeu technique quand même. Allez, le centre. La tête d'Ibarbo. Je passe devant. Marcosso. La grosse frappe. Mon Dieu, qu'il est mou, Marco, là. Qu'est-ce que t'as bouffé? T'as bouffé de la poudre à mousseline, ça passe pas. Le mec est en train de faire caca sur le terrain. Je ne sais pas. Oh, ça s'est récupéré. Adumbia, fin de frappe. On revient. Non, on revient pas du tout. On intercepte. Pas de plus que ça. Dommage, Marco, là. Ça fait plusieurs fois que tu pouvais nous faire quelque chose de pas mal. Et au final, t'as fait du caca. Il va repiquer. Voilà, c'est coupé, ça. Non, c'est pas coupé. Tevez qui récupère au physique sur Polo. Paul Pogba qui se bat. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est pas grave. Petite faute, certes, mais comme dirait l'autre, c'est une faute intelligente. J'ai toujours jamais compris cette expression parce que quand tu fais une faute à la... Après, si, tu peux comprendre aussi. C'est vrai que quand le mec il part pas seul mais qui est bien placé, tu dis qu'une petite faute. Oh, elle est pas mal. Wow, la parade d'Andanovic. Ouh, alors, je suis très content de mon gardien, mais franchement, ça aurait mérité. Si c'est moi qui l'avais mis, j'aurais préféré qu'elle rentre dedans. mais ouais, franchement, c'était mérité. S'il avait. Dégage-moi ça. Non, on peut pas dégager. Ok. Si, ça y est, c'est parti les enfants. La contre-attaque. Cette fois-ci, hop là, on savait qu'il allait le faire ça. Du coup, est-ce qu'il sort son gardien? Oh, mais c'est pas possible d'être un joueur cheaté et de louper le plus facile. C'est pas possible. On peut pas louper ça. Victor, qu'est-ce que tu nous as fait là, Victor? En plus, je voulais faire une PES dégueulasse. Voilà. Abatté. Et franchement, Abatté et Armero, c'est quand même des monstres. Hein. Bon, c'est de l'abus total. On va pas y arriver, voilà, on va revenir, non, pas du tout. Zabaleta qui a mis un vieux cake dans la gueule à mon Victor.
L'ouverture là-bas, elle va être sortie. Oui, bah oui, forcément. En Armero, quand t'as Armero, tu peux pas prendre de but. Pour l'instant, on s'est toujours pas pris de but dans cette compétition. Et ça, ça fait plaisir. On va la remettre en bas, on va la remettre sur le côté. Un peu de Tikitika. Bon, avec moi, le Tikitika, il fait deux passes. C'est le Tikitika du pauvre, hein, moi, attention. Allez, Polo, hop là, petit stop and turn. Ça sert absolument à rien. Et en plus, je me fais baiser la gueule. Gardien, gardien, voilà, Andanovic tranquille, là-bas en haut, il n'y a personne. Oups là, oh la vache, c'est du lancer du poids qui nous fait Andanovic. Allez, Victor, et Victor, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va la remettre derrière, tranquillement, Strootman. Voilà, petit jeu de passe. Allez, Polo, la grosse. Ah, Polo, elle est belle, elle est belle. Ça aurait pu, ça a léché le poteau. Hop là, toi, tu vas te faire baiser un moment, mon ami, tu vas te faire baiser. Et pour l'instant, 2-0, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. L'ouverture là-bas. Ah, ces ouvertures, mon Dieu, que c'est impossible à défendre. Ça, si on pouvait changer ça. Ouais, si on pouvait changer ça dans FIFA 16, ce serait quand même pas mal. Hein, parce qu'à chaque fois que tu fais des ouvertures comme ça, tu n'as aucun moyen de défendre. C'est-à-dire que généralement, ton défenseur, dans le meilleur des cas, il suit le ballon, mais il est à 30 mètres. Dans le pire des cas, il part à l'opposé. Ça aussi, ça m'arrive souvent. Je comprendrai jamais pourquoi d'ailleurs, mais c'est comme ça. Allez, une deux. Hop là, non, pas une deux du tout. On va le faire là. On a un peu de contre, non, on n'a pas de contre du tout, ça va être pour lui, récupérer, en bas, alors, va devant, va au ballon, il faut aller au ballon, pour l'instant, on va maîtriser, voilà, allez, la frappe, mon Dieu, que c'est lent, qu'est-ce qu'ils sont lents, en réactivité et en rapidité de mise en pratique de la frappe, parce que là, il y avait 15 000 fois le temps, allez, la tête, la frappe, je sais pas, fait quelque chose là. Pff, on va pas se faire baiser quand même, on va pas se faire baiser à la 90e. Voilà, ça, voilà, c'est de la défense, ça, ça j'aime. Oui, je fais. Le mec, il est sponsorisé partout. Qu'est-ce que tu fais, Polo? Qu'est-ce que tu fais? Il va pas jouer le fou non plus. Le fifou là, qu'est-ce que tu fais? On récupère. Ibarbo, il est parti. Fin de frappe, voilà, on revient. Hop là, enroulé avec Victor. Wouah, c'est compliqué. C'est pas le meilleur technicien, c'est pas lui qui a la meilleure finition. Heureusement qu'il a abusé, sinon personne ne l'utiliserait ce pauvre garçon. Il dégage loin, c'est récupéré. Voilà, allez, c'est terminé. Un petit chouïa chaud aux fesses quand même hein, sur la fin, parce que je me suis dit que ça aurait pas été étonnant qu'il égalise. En tout cas, on se qualifie pour la finale et ça, ça fait plaisir. Giorgio Kelly est né qui va pouvoir aller fêter ça dans les vestiaires. On va aller voir les stats générales du match. Carlos, bah oui, mon ami Carlos, pourquoi t'as mis des gants? On dirait Michael Ow Jackson. Doublé de Victor avec un but d'Ezekiel Lavezzi juste avant la fin. Hop là, allez, vite les stats, on s'en fout maintenant, bing. Alors j'espère que vous allez passer de très très bonnes vacances, moi pour l'instant des vacances je n'en aurai pas avant septembre, malheureusement, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, de toute façon tout le monde s'en fout des vacances de tonton. Allez, on va voir les stats générales du match, ouais, au final, hein, c'est pas... on va dire que c'est un petit chouïa mérité quand même, hein, le meilleur a gagné. En tout cas, on se retrouve très rapidement pour la suite et fin, donc puisque nous sommes qualifiés pour la finale de cette compétition avec mon équipe Cheat, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, salut tout le monde.